بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب مختصر القدوري Le shaykh Abul Hussein Ahmed ibn Muhammad al-Ma'ruf bil-Quduri rahimahullah ta'ala. Nous continuons dans le chapitre ou dans le livre du Muqtasar al-Quduri, dans le livre des ventes, du shaykh Muqtasar al-Quduri, du shaykh Abul hussein Ahmad fils de Muhammad, connu sous le nom de l'Quduri rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés au chapitre du salam. La règle dans, le, dans les transactions, dans les ventes c'est que ce qui est considéré comme un prix, ce que l'on paye le, le, le prix avec lequel on paye la marchandise que ce soit les, les dinars, d'or, d'argent, d'or, les dirhams, les dirhams d'argent, euh, ce qui remplace les euros, les dollars etc euh, on peut retarder, on peut fixer une échéance quand on paiement, de la marchandise avec ce prix-là. Al-Athman, c'est euh, la monnaie, si on veut, la monnaie telle que le dinar et le dirham, et ce qui est pareil que cela. On peut fixer une échéance dans ce prix-là, dans ces monnaies-là, mais concernant la marchandise en elle-même, elle doit être prise en possession dans la séance. Si je vends un, un livre à 10 euros, le livre est réceptionné dans la séance, puis par la suite, les 10 euros, ils peuvent. Euh, selon des, une, une échéance délimitée, déterminée, fixée, être retardée. Mais l'inverse, dans la vente, ce n'est pas permis. Ce n'est pas valable, ce n'est pas permis de euh, payer le prix et de ne pas donner la marchandise dans la séance. Si ce n'est dans le chapitre du salam, dans la vente de As-salam. C'est cela qui est voulu, c'est le fait de retarder de payer dans la séance le prix de la marchandise et de retarder la livraison de la marchandise. Donc le prix est payé dans la séance et le, euh, la marchandise est livrée par la suite euh, selon les conditions que l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, va mentionner. alors il mentionne que la vente de salam est autorisée dans ce qui est mesuré par euh, le poids ce qui est mesuré par le volume ce qui est mesuré euh, ce qui est compté au, au nombre dans lesquels il n'y a pas de grandes différences les uns les autres, tels que les noix, tels que les œufs. Pourquoi Parce qu'ils sont proches, même s'ils ont des petites différences, ils sont proches les uns des autres. Et également dans ce qui est pris à la coudée, dans ce qui est mesuré à la coudée. la <laughs> salamu et il n'est pas valable, il n'est pas autorisé de faire la vente de salam concernant les animaux. Pourquoi Parce que d'un animal à un autre, d'un animal à un autre, il y a des différences notoires. Ni dans une de ses extrémités, comme la tête, par exemple. Également, la tête du mouton, elle peut avoir, elle se différencie les unes des autres. Voilà, jouloudi Radadan. Ni même dans les pots, dans les cuirs, euh, qui, sont, qui ne sont pas euh, vendus au poids, qui ne sont pas vendus au volume, mais euh, elles, sont, elles sont vendues à l'unité. C'est-à-dire, elles sont vendues séparément. Et il y a aussi des différences d'une à l'autre. Donc maintenant, il, euh, par rapport à ça, par rapport à cette première règle, ou cette première introduction qu'il a faite, il exclut justement certaines choses qui ne vont pas pouvoir rentrer dans la vente de As Salam. Même si même si l'auteur Al-Qudouri, Rahimahullah, euh, le mentionne textuellement dans la fin du chapitre, la définition de as-salam, dans quoi c'est valable, dans quoi ce n'est pas valable. Euh, certains commentateurs comme al-Runiyyi l'ont ajouté dans l'introduction ou dans les premiers, euh, dans les premières phrases de ce chapitre-là, en disant que as-salam est valable avec tout ce qu'il est possible de déterminer ses caractéristiques et d'avoir la connaissance d'avoir une connaissance de son poids de son volume donc dans cela le salam est valable et ce que l'on ne peut pas spécifier euh, par euh, dans le fait de de, de, de mentionner d'avoir de, une connaissance précise dans le poids par exemple ou dans le volume alors le salam n'est pas valable Voilà, fil Hatabi, voilà, fil juz, huzman. voilà, fil Rotbati, Jourzan. Donc, il mentionne ici euh, également, du coup, ce n'est pas valable ni dans des stères de bois, ni non plus dans des. Euh, dans des Régiments, par exemple, des régiments de, de, de dates qui sont rotab. Également, il mentionne qu'il n'est pas permis de faire le contrat de salam si ce n'est. Dès lors que ce pourquoi on a fait la vente de salam, c'est-à-dire la marchandise, elle soit existante. Elle soit existante. Du moment du contrat jusqu'au moment de la, euh, de la remise, de la prise de possession. <t 'en fait> Il n'est pas. Valable le contrat de salam si ce n'est avec un, une échéance la marchandise est fixée à une, à une échéance et il n'est pas permis si ce n'est que cette échéance soit déterminée précisément. bi il a mentionné que euh, il n'est pas permis de faire le contrat de salam d'une quantité par exemple par la mesure de une telle personne par l'unité le, le, de mesure ou l'instrument de mesure d'une telle personne en particulier pourquoi parce que euh, il se peut que cette mesure ou cette unité de mesure ou cet instrument de mesure euh, soit détruite, il se peut que cet homme-là ne survive pas, ni non plus de la coudée d'une personne en particulier. Ni non plus là quand il dit Voilà, ici, ce n'est pas ce que, ce n'est pas euh, l'apparence qui est voulue. L'apparence la, serait, de dire ni dans une nourriture d'une d'une région ou d'une ville en particulier. Non, ce n'est pas cela qui est visé ici par al-qaria. al, -qarya. al -qarya, ici, ce qui est visé, c'est l'arbre spécifique, par un arbre spécifiquement. Parce qu'il se peut que cet arbre-là ne donne pas de fruits. Tandis que le fait de, de spécifier euh, d'une euh, ville particulière, comme par exemple du blé, de la ville de halab en syrie euh, ça c'est valable ni non plus ce n'est pas valable non plus d'un fruit d'un fruit ou d'une un, date c'est-à-dire d'un palmier en particulier non plus il se peut que cette, de, ce, ce palmier là ne donne rien <fix en -tale> Puis le Cheikh Al-Khuduri, il mentionne maintenant euh, sept conditions dans lesquelles euh, il est indispensable de les citer selon Abu Hanifa, durant le contrat. Il y a donc sept conditions qui sont indispensables, qui doivent être citées lors du contrat selon Abu Hanifa. C'est sept conditions. Sept conditions doivent être citées dans le contrat pour que le contrat de salam سوى بالابل والحمد لله والصلاة الله وسلم على رسول الله